officiel, Mahamat Idriss Déby Itno est candidat à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Il a annoncé sa candidature lors d'une cérémonie organisée ce matin par une coalition politique dite Coalition pour un Tchad uni. Après une sereine et profonde réflexion, j'ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre modeste personne comme candidat. Le MPS est donc à la tête de cette coalition qui réunit quelques ténors de la politique tchadienne, dont l'ancien Premier ministre Saleh Kebzabo, opposant historique au président Déby, ou encore Laocoon Kouraye Omédar, mythique maire de Moundou, la seconde ville du pays et ville frondeuse. On y retrouve également plusieurs anciens politiques militaires, des activistes, des membres éminents de la diaspora et des acteurs de la société civile. Face à cette importante coalition et suite au décès de l'opposant Yahya Diallo, on peut se demander s'il existe encore une opposition au Tchad. Des voix dissonantes existent encore, telles que Max Kemkoy, Sidik Hagar ou encore Albert Paimi Padake, ancien allié de Mahamat Idriss avec qui il a mené une bonne partie de la transition avant d'être remplacé. Sa formation politique est l'une des plus importantes et pourrait être la seule à tenir tête au candidat Mahamat Déby et à son armada politique. On peut également mentionner les transformateurs de succès Masra qui n'ont d'ailleurs pas encore pris position sur leur participation ou non aux élections de mai 2024.